Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est un tuto sur le Arthur Martin My Gourmet, un nouveau robot de chez Intermarché. Du coup je vais vous faire l'ouverture en live, donc vous avez le prix juste avant, mais voici du coup l'ouverture. Voici, ouais c'est un peu lourd, le fameux robot. Du coup je vais pas faire un tuto comme les youtubeurs là, où ils mettent 50 piges, moi je vais l'ouvrir en deux, vous montrer ce qu'il y a dedans. Et après, vous montrer ce que ça donne, ce qu'on peut faire comme recette. Du coup, ce qu'il faut comme ustensile, c'est ça. Et un ciseau. Voici l'ouverture. Bon, je vous montre pas le coupage de câble. J'ai mis une petite touche personnelle, la musique. Ça me rappelait un peu mes origines quand même. Comment ça se présente à l'intérieur. Donc, je vais vous sortir la bête. Les allergies directes. Deuxième allergie directe. Arabe. Du coup, voilà. On va le mettre à l'endroit. Alors, pour commencer, une spatule. Un verre pour bloquer le dessus. Une fois qu'on enlève le polystyrène. Du coup, la bête. La cuve et les fameux saladiers. Donc je vais tout vous déballer un par un. Vous avez bien sûr les trucs qui servent à rien, les notices. Alors, on va commencer par le principal. C'est ventousé. La fameuse cuve de je sais plus trop combien de litres avec une poignée, très pratique. Bon, on verra comment ça s'enclenche après. Ensuite, les ustensiles. Voilà, pour les cuissons en vapeur. Un couvercle. Très pratique. Ensuite, la spatule. Donc qu'elle vous saoule. Puis, non mais tout ça comme emballage. Tue la planète. Ça. Qui se met par-dessus. Donc ça, c'est l'ensemble des éléments que vous avez. Ensuite, nous avons le maquillage. Dans la cuve, vous avez, ça c'est pour faire les mayonnaises ou les sauces, le petit panier, et pour finir, un ustensile très pratique, ceci, qui est directement installé. Voilà, donc le sens, c'est la poignée derrière et la marque devant. Ensuite, nous allons du coup le brancher.
vous avez le bouton on off ici. Dites bonjour à Arthur. Waouh. Et voilà. Du coup, vous avez déjà 40 recettes de pré-rentrée à l'intérieur, que ce soit des apéros, des soupes, des pâtes, de la volaille, du poisson et j'en passe. Le tactile est un peu... faut appuyer bien dessus. C'est pas du Apple, hein, si je peux me permettre. Des pains, des gourmandises et des jus. Après, il n'y a plus qu'à cliquer sur le menu. Et ce que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, une crème dessert, vous avez l'ensemble des ingrédients. Et ensuite, vous pouvez commencer la recette. Il y a un système de mesure pour peser. Et c'est très, 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 très bien fait. Voilà. N'hésitez pas à aller l'acheter à Intermarché. Il y a encore.